Hello, hello, good morning. We're gonna do this live in French. Donc, bonjour, bonjour à tous. Il y a longtemps que j'ai pas fait de live et aujourd'hui, on va faire un live avec quelque chose de magnifique, avec des gens qui ont fait un travail remarquable, avec Régine et Stéphane, qui ont mis au monde ce merveilleux livre avec ces très très belles illustrations. Donc voilà, nous allons voir un peu leur parcours très inspirant. Et je suis très émue parce que je voulais aussi remercier mes followers, notamment Sabine qui nous a mis en contact, mais remercier mes followers pour m'envoyer des liens et des contacts, de penser à moi, je trouve que ça me touche beaucoup de penser que je peux apprécier et éventuellement faire avancer le schmilblick. Donc voilà. Ouais, je suis pas très présente en ce moment parce que j'ai quand même beaucoup de choses à voir avec la construction, la rénovation à distance, pas mal de choses aussi au niveau personnel et au niveau administratif, hein, des choses à mettre en place. Donc mon esprit n'est pas très libre pour pouvoir venir et aussi je pense que comme pour beaucoup, ce qui se passe dans le monde en ce moment, ça nous touche énormément parce que nous sommes tous reliés. Et j'ai l'impression, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai besoin de moments d'introspection, de voir comment tout ce qui se passe résonne en moi et d'être vraiment connecté avec mon cœur. Au-delà des conflits bipartisans et tout ça, et d'être vraiment dans une demande intérieure de paix vraiment profonde, et je pourrais dire de prière, mais c'est même plus que ça en fait, c'est vraiment une forme de communion avec tous ceux qui sont dans cet état d'esprit ça ne veut pas dire de ne pas être, je dirais, partisan, c'est pas être partisan, c'est qu'en fait, je pense qu'on est à une époque où il faut qu'on se rende compte qu'on ne peut plus vivre dans la dualité et l'opposition. Et comment est-ce qu'on peut faire pour être en collaboration et dans la paix et l'amour? Et donc, c'est ça, quoi. Et le partage des choses qui font du bien et des belles choses. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour plein de choses, je suis un peu absente en ce moment. Je pense que c'est un moment d'introspection pour beaucoup d'entre nous. C'est différent de ce qui s'est passé en 2020. C'est vraiment une couche encore plus profonde. Et voilà. Donc je vais accueillir Stéphane et Régine. J'ai vu passer là, oui. Oui. Alors, oui, j'accepte. Voilà, ça y est. Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. C'est vrai qu'il fait nuit chez vous. Oui. Bon, ben voilà. Ouais, j'ai un peu du mal à reprendre les lives. Ça fait quand même longtemps que j'en ai pas fait, donc ça me c'est un peu. Puis il y a beaucoup d'émotions en fait pour plein de choses, pour ce qui se passe dans le monde, mais aussi de cette rencontre par Sabine avec vous. Et j'ai commencé à lire le livre et ça me touche. Ça m'a fait. D'ailleurs, en fait, ce matin. Je me suis réveillée très tôt et j'étais avec les images de ce petit livre d'illustration étaient tellement présentes en moi. C'est comme si, alors ce qui m'est venu
nu, c'est comme si c'est la somme de toutes les expériences que l'âme a pu faire, des passages d'un lieu à un autre, et comme si tout était résumé là. Et c'était fort, j'ai même du mal à mettre des mots, mais ce matin, c'est parce que moi, au réveil, j'ai beaucoup de choses qui viennent. Je me dis, waouh, mais c'est ça. Les enfants, ces âmes aussi, ces âmes qui vont toutes nouvelles, toutes dans une nouvelle expérience, toute jeune, et recommencer et vivre une nouvelle expérience. Et ce qui m'a beaucoup aussi, ça m'a fait reconnecter avec quelque chose que je faisais il y a 35 ans, où j'essayais de... Maintenant, on a Photoshop, on a l'intelligence artificielle, mais de superposer des diapositives avec des négatifs pour avoir des multicouches et qui représentent la multidimensionnalité. Enfin, ça m'a vraiment... c'est fort, quoi. Donc, voilà. Bon, à Merci. vous maintenant. Donc, avec ces deux beaux bébés que vous avez mis au monde tous les deux, hein, donc, c'est intéressant, je pense, pour beaucoup de savoir comment ça s'est arrivé là, parce que c'est énormément de travail. Merci. Alors, Oui, c'est venu petit à petit, oui. voilà. On a pris le temps. Alors, moi, ce qui serait chouette, c'est que vous présentiez, que vous disiez avant la rencontre, parce qu'il y a avant et après la rencontre. Et là, D'accord. la rencontre, moi, je suis curieuse, quoi, de le savoir. Et donc, comment tout ça en 20 ans, hein, c'est 20 ans quand même. Hein, voilà. Voilà, bah écoute, Oui, Stéphane ou Régine, je te merci. laisse la parole. Ouais. Bon résumé. C'est vrai que la rencontre, tu mets le mot sur vraiment le fond de tout ce projet, c'est vraiment la rencontre entre des gens, des supports, des façons, des manières de créer, et notre rencontre qui a déclenché ça. Il n'y aurait jamais eu cette histoire-là, ces livres et toutes ces petites choses. Si on ne s'était pas rencontrés, on aurait fait une autre vie, d'autres parcours. Et donc cet univers-là qu'on découvre dans ces livres, oui, il est né petit à petit en 2002 quand on s'est rencontrés. Et si on veut remonter un peu avant, alors je suis très bavard, il faut que Régine me coupe, parce que je suis un immense timide. Donc quand on me Papa donne la parole. est plus Avant notre rencontre, on était bah, chacun de notre côté. Moi, je faisais mes études d'architecte, parce que je suis architecte. Voilà. Et lui, il était dans sa Haute-Savoie, parce qu'il vient de Haute-Savoie. Il est monté à Paris pour faire ses études. Ouais, absolument, Voilà. ouais. Dans le cinéma, et puis littéraire aussi. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Moi, j'ai eu. Ben, mes parents se sont rencontrés dans les Alpes, ils venaient d'autres régions de France, et j'ai eu la chance qu'ils aient décidé de rester là après leur rencontre. Donc, j'ai pu grandir sous le Mont-Blanc, et c'était une vraie chance. Après, j'avais des parents assez créatifs et un grand-père très très créatif aussi, qui était médecin de campagne dans le sud de la France, et qui lui s'était pris de passion pour plein de choses, mais avant sa retraite s'est pris de passion pour l'Égypte, les hiéroglyphes, et Ah. il avait décidé d'apprendre à les lire, et c'était un peu un champollion pour moi. Ah Et il ouais. voulait apprendre ça à ses petits-enfants, en fait. Donc on avait 5, 6, 7 ans, et il y a une petite vidéo tout en bas de nos postes, un hein, des premiers postes qu'on a fait. Il passait énormément de temps à faire des petits carnets pour ses petits-enfants avec toute la grammaire égyptienne, le vocabulaire, comment on aborde ça. Et oui, ça se retrouve dans cet alphabet-là, Ça, c'est un absolument. alphabet Ouais. créé par Stéphane. Hein? Oui. Et c'est marrant parce que l'Égypte ancienne, enfin l'Égypte, c'est une de. Donc, lors de notre rencontre, c'est l'une de nos premières conversations parce qu'on avait cette passion commune. Alors on s'est découvert ça, voilà. Déjà, c'était voilà, une première, vraiment un premier point commun très fort parce que Oui, voilà, oui, moi, oui. c'était C'était quelque très chose qui fort, était. ouais. Et puis ensuite, ben, en fait, les découvertes. Ouais, les Le voyages. monde aussi créole, puisque moi je viens de. Enfin, mes parents sont de Martinique. Mmh. Les voyages, la musique, tout ça a fait que Stéphane a, on va dire, Ouais, ça a a semé une découvert des graine lectures, qui des a germé musiques. très vite, ouais. Ouais, Ouais. c'est. Grâce à Régine, alors j'avais déjà des amis qui m'avaient invité à découvrir ce monde-là, mais évidemment, quand on s'aime, on le découvre pleinement.
Et oui, la littérature créole, la musique, tout ça, c'était un raz-de-marée pour moi, en fait. Parce que c'est hyper important parce que c'est un endroit dans le monde tout petit, c'est des petites îles où on a concentré des gens de toutes les origines qui n'ont pas eu vraiment le choix de venir et qui ont vécu des choses à la fois très, très, très dures au fil de ces 5 siècles où il y a eu l'esclavage, il y a eu pas mal de choses très compliquées. Et qui se sont poursuivis après et inscrites ensuite. Mais il y a eu énormément de belles choses qui sont nées de tout ça, en fait. Et c'est ça qui est saisissant, parce que dans les pires situations, l'être humain, qu'on soit pessimiste ou non, arrive quand même à faire émerger des choses extraordinaires, Tout à fait. en C'est ça mélangeant qui tout ce passe. qu'ils ont à leur disposition. Et ça se sent très fort dans la musique des Caraïbes et des Antilles, où on peut entendre Chopin comme les rythmes africains et les rythmes latins. Et tout ça. Ça résonnait très fort en moi parce que j'adorais le mélange, le voyage et les rencontres de toutes sortes. Moi, je revenais d'une année en Ukraine, donc c'est un pays qui m'a énormément marqué aussi. Et donc tout ça se rencontrait voilà, de manière complètement imprévue et a fait germer plein de choses. Et on avait l'âge où on pouvait voyager assez facilement avec notre sac à dos. D'accord. Donc ça nous a beaucoup imprégné, ouais, aussi ces On a voyages. des voyages qui nous ont aussi beaucoup marqués, c'est des voyages en Inde. J'ai découvert l'Inde en fait lors de mes dernières années d'architecture. J'ai fait un workshop là-bas à Jaipur justement. Et ça a beaucoup aussi inspiré une partie, enfin un des quartiers que vous retrouverez dans les Enfants Bah du moi Lotin. maintenant je comprends mieux l'Égypte et l'Inde, tu vois. Tout à fait. Oui. Voilà, c'est ça, et ça nous a enfin, vraiment marqué. On est retourné, enfin, du coup, j'ai amené Stéphane après en Inde pour lui faire Et là, ça, découvrir c'est ce un mélange de l'Égypte et de l'Inde pour Ah moi. C'est oui, tout il y a un tout, mélange, en fait, un ouais. mélange de plein de choses. Ouais. C'est Absolument. un quartier flottant, le souk, et c'est vraiment une ville flottante. Il y a beaucoup de villes flottantes, en fait, Oui. Ouais. Dans ce monde-là, oui. dans ce monde-là, parce qu'il y a l'eau encore. L'eau est très. L'eau, bien sûr. Ouais. Ouais. Et voilà, il y a beaucoup d'influences, mais vraiment, de façon très large, en fait. Tous nos découvertes, nos sensations, c'est pas seulement nos voyages, mais voilà, il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'on a voulu, enfin voilà, on a mis plein de. Il y a beaucoup de choses, ces choses qui se retrouvent en fait dans ce livre. Oui, absolument. Ouais. Et ça a commencé par des images, de la peinture, des dessins, de l'art digital aussi, très vite, hein, dès 2002, 2003, et des expos. On voulait rencontrer les gens et puis partager ce petit bout d'univers qui commençait à grandir. On ne savait pas encore comment l'exprimer. Et l'écriture a pris énormément de temps. Je savais que j'avais envie d'écrire, mais entre avoir envie et le faire, c'est très, très C'est pas difficile. un petit livre, hein. Oui, 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 il a pris du temps à se faire et c'est vrai oh qu'au là début, en fait, il y avait deux livres en un. Enfin, il a dû couper, hein. là. Ah oui, Il était parce deux que fois plus gros, ouais. je vais commencer, puis je m'endormais, j'avais tellement sommeil. J'ai commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien raconter dans tout ça? Tu vois, j'étais là. Waouh! L'aventure, ouais. Oui, il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a beaucoup d'envie. Ce qui me semblait hyper important, enfin, ce qui germait très fort à l'époque, c'était, on sentait déjà venir les bouleversements climatiques, et un monde qui allait changer. En Occident, on avait la chance d'être dans un monde qui fonctionnait plutôt pas mal. On avait quand même une vie plus facile que d'autres, mais on sentait que ce monde allait changer, allait basculer vers autre chose. Oui, j'ai voulu imaginer ce qui allait se passer longtemps après. Donc, c'est pas du post-apocalyptique. Je dirais que c'est entre deux apocalypses, en fait, qui est un renouvellement, hein. C'est pas quelque chose de forcément négatif, mais ces gens-là, dans ce monde-là qu'on raconte dans ce livre, ont traversé le pire et ont mis des siècles à reformuler tout ça, reconstruire leur monde avec ce qu'ils avaient, retrouver l'eau, retrouver les graines. Les histoires, c'est les trois choses les plus importantes là-bas, et c'est des choses qui ont manqué. Et ils ont appris à vivre en paix. Et ça m'intéressait vraiment de partir dans l'improbable total, parce que je peux être très pessimiste aussi, et la réalité nous amène à l'être, malheureusement. Mais je suis convaincu que l'art est là pour ça, en fait, pour nous montrer des choses impossibles, improbables. Et une des choses les plus difficiles, en tout cas aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut vivre bien sans être dans quelque chose de binaire, sans être en permanence dans ce conflit. Et ces gens-là ont vécu tellement de douleurs et de difficultés que
ils ont créé plein de manières de mieux vivre Oui. ensemble. Mais en Donc on n'a fait, pas de gouvernement. ouais, en fait, c'est ce que l'on fait au niveau individuel, hein. Souvent, on est conscient, on se retrouve dans une situation souvent de santé qui se dégrade parce qu'en fait, on est allé contre quelque chose qui était notre intégrité. Et donc, le flot, c'est même pas une punition, hein, c'est juste que le flot de l'énergie qui coule normalement si on va dans le courant, si on n'est pas dans quelque chose qui est pas aligné, je dirais, avec notre être profond, il est interrompu. Et comme ce flot énergétique est interrompu, eh bien, ça se dégrade, ça va pas à l'intérieur, quoi. Donc, les organes, ils sont perturbés, tout ça. Et en fait, des fois, il suffit d'une prise de conscience, mais ça peut être instantané, pour relancer le flot et guérison instantanée. Et en fait, c'est ce qu'on fait au niveau individuel. Et souvent, on se met dans des situations très difficiles. Et moi, je vois ça très positivement, parce que je ne suis pas du tout de nature pessimiste. Puis des fois, je suis peut-être un peu dans l'utopie, mais ce n'est pas grave. Et en fait, pour moi, j'ai remarqué ça déjà dans ma vie, c'est que je me suis mis des fois dans des situations, mais vraiment dures, et qu'en fait, c'était pour stimuler quelque chose, une créativité en moi, pour développer d'autres moyens, d'autres façons. Et donc, je pense qu'on en est là, même si c'est douloureux, et on passe individuellement par des moments douloureux, on fait des prises de conscience, et hop, on a franchi, hein, je dirais, un niveau, quoi. Donc, on n'est plus sur la même fréquence vibratoire. Et en fait, je pense que c'est ce qui se passe au niveau de l'humanité, au niveau du collectif aussi. Et comme on rentre dans l'ère du Verseau, que c'est par rapport au collectif, il y a vraiment des choses, des mouvements qui se font au niveau du collectif, où on va être dans des situations comme en ce moment, de plus en plus difficiles et douloureuses, pour briser les cœurs, briser nos cœurs. Et c'est seulement quand nos cœurs sont brisés qu'on peut laisser rentrer de la lumière et qu'on peut laisser aussi vivre l'amour, quoi. Et C'est la oui, c'est très vrai. Et c'est vrai que ben, l'histoire aussi qu'on raconte, c'est il y a beaucoup ce dont vous parlez, enfin ce dont tu parles. Il y a eu une perte de mémoire et on va découvrir justement dans le tome 2 Ah pourquoi il y a eu cette perte de mémoire. oui. Et il y a eu, voilà, c'est donc c'est Oui. très, voilà. Et dans Les Enfants du Requin, les personnages sont à la recherche, surtout les conteurs. Les compteurs, on a Les vraiment le compteurs sont retour des très compteurs sur importants. les routes, Ouais. la tradition orale qui revient, qui est très forte dans ce livre, et qui sont vraiment à la recherche de voilà, leur histoire en fait. Leur histoire, le passé, qu'est-ce qui s'est passé, parce que voilà, il y a eu vraiment Oui, parce tu qu'ils sont vois. concernés. Ouais. Ouais, vas-y, Stéphane. Pardon, ils sont face à un futur qui malheureusement pour eux se complique, un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui, mais eux pour le coup c'est pas vraiment de leur faute, hein. Ils ont pas fait en sorte que les choses se dégradent, et du coup ils essayent de comprendre effectivement ce qui a pu se passer avant et qui a été un peu effacé et qui les a conduits à ces changements. Alors je vais pas vous en parler pour garder la surprise dans le livre, mais c'était important de le voir par les yeux des enfants parce que ils ont le regard beaucoup plus ouvert que nous, et je suis très très soucieux de comment nos enfants aussi vont vivre les décennies qui vont venir, les années qui sont déjà là, parce qu'ils arrivent dans un monde, ils n'ont rien demandé, et ce monde commence déjà à changer. Ils ont à peine compris comment il fonctionnait, que il va changer. Et en même temps, ce qui est formidable chez l'humain, c'est qu'on a une capacité d'adaptation incroyable, et l'enfant d'autant plus. Et on est fait pour le changement, finalement. Donc, le changement peut être extrêmement dur, mais on est fait pour ça, je pense, pour Ah ben, l'affronter on et est pour tout à fait rebondir. des Ouais. capacités d'adaptabilité D'adaptation, mais incroyables. pas Et ouais. les enfants, ça se ressent encore Oui. plus. Ouais. Mais on est par essence des êtres mutants. On est Oui. mutants. On est C'est obligé de ça. se C'est ça qui est transformer en passionnant, en permanence. fait. Ouais. C'est Ouais. passionnant. Et c'est la nature. Tout se change, tout se transforme. Et nous, on fait partie. On est organique comme cette nature. On fait partie de Exactement. ça. Ouais. Et en fait, et on a. Regarde, quand un bébé est conçu, en 9 mois, moi, dans le ventre, dans nos ventres, nous les femmes, c'est merveilleux. En 9 mois, l'embryon
l'être qui se développe va passer par toutes les étapes de la création de la vie sur Terre en 9 mois. Mais c'est plus que miraculeux. 9 mois, c'est court quand on pense. Et en fait, on a en nous toute cette mémoire. Et enfin, moi, ça me fascine depuis toute petite, ça. C'est vraiment. Et en fait, c'est quand on va avec ça, ben, on a confiance, on n'est pas dans la peur, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, déjà, il faut peut-être avoir une conscience que ben, les enfants qui viennent maintenant, au niveau de leur âme, ils ont choisi de venir, comme nous, on a choisi de venir à cette époque pour vivre ce que l'on vit, pour vivre ces expériences-là. Et l'expérience dans cette vie dont on est conscient, parce que pour moi, depuis toute petite, j'ai cette sensation qu'on est vraiment sur différentes dimensions en même temps. Et on est vraiment multidimensionnel. Donc ça, c'est celle, on en parle, on est dans ce monde-là, mais il y a aussi tous les univers parallèles, les mondes parallèles sur lesquels là, nos présences, c'est vraiment par l'enveloppe physique, c'est une limite de cet être qui est intemporel et immense, quoi, que nous sommes, cet être invisible. Et c'est juste cette petite fraction-là, dans cette dimension, sur cette terre, mais on est, et on l'a tous ça en nous, on a cette mémoire de cet au-delà du corps, de cette dimension invisible, immense et éternelle, on l'a. Et moi, ce que j'ai trouvé là, dans ce que tu parlais des enfants, du regard des enfants, ça m'a vraiment, c'est la chose, quand Sabine m'a parlé de votre travail et que j'ai vu, c'est ça, en tant que photographe, hein, c'est ce qui m'a vraiment touché le plus, et immédiatement j'ai contacté. Ça a résonné en moi très fort. Et quand j'ai vu un peu plus, parce que j'ai vu ton petit lancement où tu expliques comment les multimédias, comment tu utilises, comment tu fais, et en fait, les yeux des enfants, c'est vraiment la profondeur de l'âme. Et je trouve vraiment formidable comment tu as pu manifester ça, parce que là, on est hors du temps. C'est des enfants, mais c'est au-delà de l'enfant, quoi. C'est comme s'il y a cette mémoire d'au-delà du corps physique de l'enfant, de l'âme qui a toutes ses expériences, qui est là dans cette profondeur au niveau des regards. Et là, on arrive aussi avec quelque chose qui est très profond, et les regards sont super forts. Moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée, parce que j'adore faire des portraits, même si depuis quelques années, j'ai été un peu, je dirais, sans faire des portraits d'autres personnes, mais c'est vraiment ce que j'aime faire. Et parce qu'il y a, quand on fait un portrait, par les yeux et par l'objectif de l'appareil, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment magique, où on est pendant un temps suspendu dans l'intemporalité. Et le modèle et le photographe le ressentent. Moi, je l'ai à chaque séance, j'ai eu cette sensation, et on le sent tous les deux en même temps, et c'est merveilleux, quoi. Parce que l'objectif, la lentille, c'est comme si, parce que l'œil, c'est qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, qui est-ce qui regarde par cet œil, tu vois? Et en fait, c'est par l'objectif, c'est amplifié, tu vas encore plus profond. Et surtout quand tu utilises un macro, sans forcément aller dans la macro de l'iris, hein, mais quand tu utilises un objectif macro, tout le reste devient flou autour, et là, tu es vraiment concentré sur l'œil, tu vois. Et c'est puissant, hein, les regards des enfants que tu as dessinés, vraiment. Donc voilà, ça me touche beaucoup, en fait. Très, très fort. Et tu sens une forme de sagesse, de paix. Lui, il est très souriant. C'est d'ailleurs le seul, d'ailleurs. Oui. Ça fait
C'est vrai qu'il Oui, y absolument. a... Et mais quelle beauté. Ah oui, merci. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, puis j'aime aussi beaucoup ça. Ça, alors, il y a une photo, une illustration, j'adore. Il y a une illustration, j'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est une de mes photos. C'est exactement une photo que j'ai faite à Malibu, au lever du soleil, quand il y avait de la brume. D'accord. Alors, attends, j'espère que je vais la retrouver. Et j'ai dit, mais c'est vraiment, c'est cet univers où c'est comme dans un rêve, tu sais pas où sont les limites. C'est mystérieux parce que tu vois pas vraiment, Ah oui. tu vois ça. Oui. Ah, Et ça, c'est la crique, ouais. ouais, c'est le Mais village. oui, c'est un des Un des quartiers. quartiers qui est le cœur battant de ville, en fait. Ouais, La ville aux mille noms, elle a plusieurs noms. c'est un des premiers endroits où les choses sont reparties. Ouais. Et c'est un endroit qui nous est cher. Ouais. Oui. Et il y a pas mal de paysages comme ça, effectivement, dans cet univers. J'aime bien quand vous évoquez, quand tu évoques le côté brumeux, où on ne comprend pas vraiment où sont les limites, etc. C'était important de revenir aussi vers ça, parce qu'on vit dans un monde où tout est balisé. On a l'impression de pouvoir cartographier tout aujourd'hui et mettre des noms sur tout. Et le mystère est hyper important en fait pour stimuler l'imaginaire et peut-être qu'on en manque un petit peu. Enfin, j'avais envie d'apporter un peu de cette dimension ouais, mystérieuse où la personne qui regarde va pouvoir faire le reste du travail et construire son propre sa petite histoire derrière en fait. Mais Enfin, ne pas tu tout sais, pas tout livrer. les images là, justement avec ce que tu amènes là, ce portrait aussi, qui est magnifique, magnifique. Ceux qui vont les voir, je vais le dire d'une façon positive, hein, ils vont être hantés par ces images. Parce qu'elles restent, tu vois. C'est comme si quelque part, il y a une partie de toi qui est dans cet univers-là. Ok, oui, Tu vois? on est Et mis tu le sur moi. connais. Une C'est comme grosse si tu partie le de lui, connais, ouais. je dirais. Bon, il y a une partie de nous dans tous les personnages, en fait. Si je devais C'est vrai, il y a des dire lequel personnages. nous ressemble le plus, c'est chacun une facette. Et oui, on y passe du temps pour qu'ils commencent un peu à exister, qu'on ait le sentiment qu'en les regardant, ils sont là. Et ça prend du temps, hein. C'est laborieux, c'est pas. Ça vient pas tout de suite. Où certains arrivent tout de suite, hein, Ouais, il y en a qui sont plus c'est évidents que d'autres. mystérieux. Ouais, il y en a des plus évidents que d'autres. Et il y en a qui m'ont donné, Beaucoup plus de travail. j'ai cherché des mois à comprendre vraiment comment ils pouvaient être. Et puis c'est aussi des outils, ces images, en fait, c'est important de le dire. J'oublie souvent de le dire. Pourquoi ce livre? Bah parce qu'à l'origine, on faisait un projet musical et graphique qui ensuite a permis de donner naissance à ce récit, à ce texte. Et l'image nous sert vraiment d'outil pour comprendre qui sont les personnages, comment ils résonnent, comment ils fonctionnent, comment sont ces quartiers. C'est vraiment un outil très important qui nous aide à écrire et à aller plus loin dans l'écriture. Parce que parfois on est surpris par comment un personnage se manifeste. On l'aurait abordé peut-être d'une autre manière et en fait on se rend compte que ah ben non, il est comme ça en fait, c'est vraiment lui. Et il nous amène autre chose, le dessin nous amène autre chose, l'image, quel que soit le support. Et ouais, c'est un outil, c'est pas une fin en soi de faire des images belles ou pas, et ainsi de suite. Tant mieux si ça résonne et si ça parle. Mais c'est aussi un besoin de les faire en fait pour nous. C'est un besoin d'avoir ce passage par l'image pour faire avancer une histoire, un récit. Et la musique nous sert aussi à ça. Alors on en fait un peu moins en ce moment, mais je le fais plus en coulisses, ça, mais la musique m'aide beaucoup, oui, à comprendre la tonalité d'un quartier, d'un personnage, ces choses-là, ouais. Donc c'est des choses qui se croisent et qui se nourrissent, en fait. Oui, tout à fait. Puis je pense que, par exemple, au fur et à mesure que tu dessines un paysage, c'est comme si tu peux sentir comment les êtres qui vivent dans cet endroit, ils vivent. Oui, complètement, ouais. Comme expérience, comment ils peuvent évoluer.
Moi, je regarde, par exemple, je regarde ça, tu vois. Alors, je me dis, oh, qu'est-ce qu'il y a derrière la pointe là-bas? Comment je vais y aller? Ah ben là, je peux marcher. Ah ben là, voilà, ça commence à me dire, ah ben oui, ben peut-être que c'est à marée haute là. Alors à marée basse, comment? Tu vois, oui, donc après, ça commence. Ça suggère tout ça, ça sort toutes ces questions. Et puis, quelle est la vue qu'on a d'en haut là? Oh, ça doit être joli quand on. Tu vois, donc ça permet après de. Puis après, tu imagines, tu as un personnage qui vit tout en haut, il a une autre perspective que ceux qui vivent en bas. Enfin voilà, tu vois, c'est. Exactement. Et au fur et à mesure que tu dessines, en fait, moi, ça me fascine beaucoup le dessin parce que je ne sais pas dessiner, hein. Pas du tout. Enfin, je dessine. Tu vois, j'ai fait pendant plusieurs années une formation en symbolisation qui est basée sur une pratique de dessin, mais qui n'est pas pour faire du beau, hein, qui est vraiment pour avoir un pont entre le conscient, là, tu vois, la réalité, je dirais, là, et l'inconscient. En fait, c'est le pont entre les deux, avec l'être supérieur, si on peut dire, le guide intérieur. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai deux enfants qui dessinent super bien. Et moi, alors, mais figuratif ou très abstrait, les deux complètement opposés. Et ça me fascine parce que j'ai beaucoup d'amis peintres ou dessinateurs, artistes dans ce sens-là. Et ça, ce qui me fascine, c'est que pour moi, je me dis pourquoi la page blanche, avec toutes les choses qui sont là, elles ne veulent pas passer par moi pour être révélée. Parce que quand je vois une page blanche et que je vois un dessin, je me dis, mais en fait, le dessin, il était déjà dans la page blanche ou le personnage. Et c'est la personne, l'artiste qui l'a révélé parce que cette entité, esprit, ou a voulu être manifestée par cet artiste. Alors pourquoi ils ne viennent pas par moi? Voilà, tu vois, moi, je suis dans des trucs un peu fous comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est déjà dans la page blanche. D'accord. Et celui qui est en face, il va manifester par sa main quelque chose qui a besoin d'être manifesté, d'être vu, tu vois. Et c'est pour ça que le dessin me fascine par rapport à ça. Mais ça ne vient pas par rapport à moi. Ça vient pas par moi. Travail, quoi, tout simplement, et du temps. Ouais. Et moi, je suis beaucoup dans les marges. Hein. La page blanche est terrifiante. Donc, on commence par des marges et des choses qui n'engagent à rien. Et après, on. Ah ouais. On prend un peu confiance. Oui, oui, oui. Même ça, c'est super joli, tout simple. Oui. La Merci. Phrase qui va avec. Oui, donc ça doit être une mise au monde. Enfin, je dirais, c'est comme si le temps, en fait, 20 ans, et c'est là. Et c'est pour ça que je pense que les gens qui nous regardent, il ne faut pas être découragés, parce que le temps, en fait, c'est pas. Ah oui, oui, oui. C'est pas ce qu'on imagine. C'est nécessaire, en fait. Ces années, elles ont été nécessaires pour arriver à ça. Oui, c'est passé par beaucoup de phases, une très longue gestation. Oui. Au début, c'était une BD, hein, c'est vrai. Oui, j'ai essayé de faire ça. Un essai de BD, parce qu'il y avait trop de choses à dire dans une BD. C'était pas le format approprié. Ouais, ouais. Du coup, Stéphane, il voulait vraiment écrire une histoire. Donc, il s'est donné la liberté d'écrire une Bible de 1000 pages, hein, au début. Et après, de pouvoir tronquer dans l'histoire. Et on a construit un petit peu ce qu'on voulait raconter, hein, dans le premier tome. Et normalement, il y aura 3 tomes. Et c'est vrai que c'était important de raconter tous ces personnages qui germaient les uns après les autres. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se décourager. Je l'ai été beaucoup, hein, par moments. jamais entièrement. Parce que déjà, on n'est pas tout seul, on est deux. Et puis, il y a toujours des gens qui nous encouragent ou qui demandent des nouvelles et ça nous rend motivés. Et oui, oui, je tiens à dire aux gens qui ont des projets de vraiment s'accrocher. Alors là, on n'est personne. Hein. On a ce bébé qui est là et ça fait un bien fou. Inimaginable de savoir que ça existe et que... le tenir dans les mains et que des gens le lisent, ça c'est super important.
Mais chaque projet a le temps qu'il lui faut et se transformera. Il y a 10 ans, je ne pensais pas qu'il s'appellerait comme ça et qu'il l'aborderait comme ça. Donc, C'était faut être différent. ouvert aussi à la métamorphose de ses projets, en fait. Tout à fait. Essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, ou alors à un moment donné, ils vont rentrer, mais parce que, y a un détour qui a été pris. Ça suit le cours de la vie et de notre vie, Ouais. en fait. Et donc, il faut l'accepter, il faut laisser cette flexibilité parce que voilà, ça sera d'autant plus quelque chose qui nous est propre, qui nous ressemble, en fait. Oui, Donc, il faut se dire qu'on fait quelque chose qui nous ressemble. Les autres font des choses extraordinaires, on n'arrivera pas à les faire. Et il faut faire ce qui nous est naturel, en tout à fait. fait. J'ai un conseil à donner de tout ça, c'est Ouais, c'est. ce qui nous fait nous sentir bien aussi. Même si l'écriture, c'est très dur et très sportif, on se sent extrêmement bien quand ça y est, ça se passe bien, que ça décolle et que on lâche prise. Mais on peut pas le forcer. Il y a des matins où bah, ça vient pas, c'est pas le moment, faut faire autre chose, quoi. D'où le temps que ça prend aussi. Faut trouver les bons moments, petit à petit. Il a été réécrit plusieurs Oui, il fois. était réécrit, Oui. hein, ouais. Voilà. Jusqu'à ce que. Puis ça suit Ouais. la maturité que l'on a au Ouais. niveau de nos expériences bien aussi. Et tu vois, toi, dans ton travail, dans ce que tu fais, tu dois être dans des situations où ça aussi, ça va te permettre peut-être de voir les choses à un moment donné différemment, justement de remanier. On évolue. Moi, j'ai voulu écrire un livre il y a près de 40 ans. Oui, quel âge? Ouais, oui, oh là là, même un peu plus. Et en fait, j'ai commencé plusieurs fois. Au début, je savais le titre. Et puis, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai vécu tellement de trucs que je me dis, mais ça ne peut pas être écrit comme ça. Donc ça change tellement, ça a changé tellement vite qu'à chaque fois je me disais, ben non, mais ça va pas, là je viens de découvrir ça, je peux plus écrire ça. Et en fait, j'en suis là, plus de 40 ans après, j'ai toujours pas écrit le livre. Tu vois, et j'ai trouvé un autre titre. En Ouais, général, c'est c'est ça. normal. Mais C'est j'ai vrai, c'est toujours pas le livre et je sais pas si je l'écrirai un jour, mais de temps en temps, ça me dit, bon, ok, là. Puis après, je suis prise dans le tourbillon. Là, le déménagement l'année dernière, un autre déménagement l'année prochaine, le machin, le truc, normal. et hop. Et tu vois, je me pose pas pour. Et puis moi, j'aime écrire à la main, donc avec un papier, un crayon. Mais en même temps, sur l'ordinateur, c'est mieux parce qu'après, tu peux corriger plus facilement. Tu n'es pas obligé de tout réécrire. Enfin, tu vois, donc je suis dans tous ces trucs. J'ai des agendas, j'ai des boîtes entières d'agenda parce que j'écrivais tous les jours pendant des années journaling, tu vois, j'en ai, mais et je me dis, bon, faut que je retourne là-dedans voir un peu, mais j'ai pas le temps parce que entre-temps mais en même temps quand j'y retourne je trouve des trucs, je dis, waouh, c'est vrai que j'ai réalisé ça, j'avais complètement oublié. Donc en fait il faudrait prendre 2 années peut-être sabbatiques à faire que ça pour moi, hein. Et me replonger dans mes trucs et voilà. C'est le rêve. Et là, je me dis peut-être que maintenant, entre guillemets, hein, je suis à la retraite, mais je serai jamais à la retraite, que peut-être maintenant, en ayant ma maison où je ne vais plus avoir de loyer à payer, tu vois, ça c'était mon but de toute ma vie. Je me disais, mon Dieu, je veux plus avoir de loyer à payer. Mais tu peux pas non plus quand tu es un voyageur, comme tu vois, un pigeon voyageur. Si tu as une maison, moi j'ai compris sur le tard que je n'avais pas désiré acquérir une maison avant parce que ça m'aurait bloqué quelque part et que j'avais besoin de vivre les expériences que j'ai vécues. Donc en fait, à un moment donné, même si autour de moi, on me disait, ouais, mais tu te rends compte, le prix que tu payes pour un loyer, t'aurais pu acheter quelque chose. Mais oui, mais ma vie, partir en Afrique du Sud, vivre là-bas, après vivre ici, et puis maintenant encore partir. C'est difficile quand tu as une maison à toi et que tu dois payer tous les mois tes trucs. Bon. Donc là, je vais être en dehors de tout ça. Donc je me dis peut-être que c'est là où je vais pouvoir me poser et écrire. Ben là, je suis en contact avec l'entrepreneur. Il me dit, mais c'est la saison des pluies. Mais il faut voir. Il m'a montré, mais c'est des torrents partout, quoi.
Et je me dis, ah ben oui, alors comme ça, je vais être enfermée pendant 2 mois, je vais pouvoir écrire. Tu vois, ça me travaille tout le temps, cette histoire. Parce que là, bon, tu ne peux pas aller vraiment dehors, Bonne quoi. inspiration pour écrire ça. Oui, Ouais. c'est vrai. Et la pluie, je Ouais, crois que ouais. ça doit être inspirant parce que c'est Ah l'eau. oui. Tu vois, ton univers, il est avec l'eau. L'eau, c'est dans ce dont on est constitué. C'est un transmetteur d'informations. C'est vraiment. Tu peux imprimer plein de choses dans l'eau, quoi. Au niveau de la mémoire de l'eau, c'est fabuleux. Et en fait, c'est ça. Peut-être que la pluie, justement, va m'aider. J'ai remarqué, ici, j'ai pas d'eau dans le désert. Ça m'est difficile d'être inspirée. D'accord, ok. Quand Oui, je c'est vivais à intéressant. Malibu sur la plage, pouf, c'était non-stop l'inspiration. Ah. Ici, il faut que je prépare. Par exemple, je dois faire des shootings pour mes châles. Il faut que je prépare. C'est pas soudain. C'est pas instantané comme je le faisais là-bas. L'eau fait circuler les énergies Voilà. aussi. Et dernièrement, on a eu de la pluie. Hop, c'est venu. Là, j'ai recommencé à photographier. Tu vois. Là, ces 2 derniers jours, on a eu une grosse, grosse pluie à 3 nuits. Ah, je dis, ah, mais c'est l'eau. Ben oui, c'est l'eau. Tu vois. Et c'est ça. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, je suis assez impatiente de lire le livre et de découvrir et de voir en quoi ça va faire écho en moi, comme ce matin avec le peu que j'ai déjà lu, comment ça me parle au niveau je dirais, de l'âme collective, tu vois, de l'humanité, en fait. Qu'est-ce qui. C'est fascinant hein, quand on y pense. Pour moi, on vit la plus extraordinaire fiction, histoire fictive. On la vit en fait dans nos corps déjà, et on la vit là, quoi. C'est plus fort que ce qui se passe dans les films de science-fiction. C'est vraiment là. Et je me disais, je voyais les images et tout, mais ce serait super de faire un livre. Alors j'ai de faire un film alors que j'ai pas encore lu le livre, tu vois. Mais je voulais savoir s'il y a des projets justement comme ça dans ce sens-là. Il y en a eu. Moi, je viens de ce milieu-là aussi. J'ai travaillé pas mal d'années dans le décor de films, sur beaucoup de tournages. Au coup, il y a eu des rêves de films. Après, c'est quelque chose qui se fera si ça se fait. C'est pas vraiment. C'est pas grave si ça se fait pas, en fait. J'ai grandi dans une époque où tout était voué à aller vers le film et c'était comme un aboutissement, en fait, pour plein de choses. Et je me suis un peu libéré de tout ça. J'ai eu tellement envie d'en faire des films que finalement, là, je serais très heureux si déjà le texte est lu, compris, apprécié, et s'il y a un échange qui déjà commence avec ce texte, ce roman. Parce que j'ai pu y mettre toute ma liberté et tout ce que j'avais besoin de raconter. Un film, pour avoir vraiment vécu les tournages et ces choses-là, c'est énormément d'argent, donc énormément de parties prenantes, énormément de contraintes et de compromis, parce que des gens qui vont financer quelque chose, il faut qu'ils s'y retrouvent et ils auront forcément leur mot à dire. Donc on entre d'emblée dans une série de compromis qui peuvent être magnifiques si on arrive au bout. Mais même le moment une journée de tournage, c'est quelque chose de dingue. Il peut se passer 1 000 rebondissements et donc c'est un voyage dans l'inconnu à tous les niveaux. Et du coup, ce qui m'a fait perdre du temps entre guillemets, c'est aussi d'avoir eu envie de faire plein de choses. Et il y a un moment où quand ça a commencé vraiment à prendre corps et où je me suis dit là on va dans le bon sens, c'est quand j'ai décidé de faire une chose après l'autre et de faire que l'écriture. Parce que ça m'a vraiment sauvé dans ce projet de me dire, on va faire que un texte. Dans un texte, on peut raconter tout ce qu'on veut, il n'y a pas de budget, il n'y a que l'imagination qui va permettre de donner ces choses-là. Donc ça sera à la mesure de mon imagination et de celle de ceux qui lisent. Et ça m'a fait un bien fou, en fait, de me libérer de cette envie, ce besoin. Mais on a écrit des séries, hein, on a écrit des Ouais, saisons parce que entières ouais, pour c'est ce trop projet. lourd.
Si on pense On a commencé qu'on... à écrire une série 52 épisodes, enfin je sais plus combien, non pas Non, 52 15 épisodes, épisodes 15 de épisodes de 52 52 minutes. minutes, mais c'était. Et pour l'histoire, on a fait un petit film. Hein. Oui, on a Il fait un est, petit film c'est un film court pour tester. Ouais, qu'on peut voir sur notre site. On a tourné un petit film court de 16 minutes, 18 18 minutes. Ouais. minutes en 2000, On l'a tourné en 2013, on est 2013. sorti en 2015. Ouais. Et c'était une Très dur. expérience géniale, mais très dure. Près du quartier interdit avec IH. Oui, alors là, pour le coup, on a choisi le quartier le plus Le mystérieux de plus mystérieux. cet univers-là. Et c'était une super expérience, mais voilà, quand on n'a pas de budget, peu de ressources et de temps, on ne peut pas demander, enfin, on ne peut pas avoir plus, en fait, que ce qu'on a eu. Et il y a, je dirais qu'il y a un tiers de notre scénario qui est dans ce petit film, en fait. Voilà. Alors, on a dû faire plein de sacrifices parce que on manquait de temps et il a été tourné en 2 nuits et une journée. Il aurait fallu dix Waouh, jours wow. C'est pour le ça, faire. demi Donc, voilà. super expérience, Mais super on a aventure. tout autoproduit, donc c'était vraiment Mais avec les moyens du bord, mais on tenait à faire ce premier petit film, oui. voilà, pour Allez le le voir à voir. l'image. J'ai pas eu le temps de le regarder Oui, parce que tout s'est décidé là très d'accord. Oui, il y a rapidement, le lien hein. sur Puis il est pas très mis en avant parce que voilà, C'est assez je veux poétique pas en fait. C'est plus embrouiller les voilà, pistes. c'est Mais... plus visuel, on va dire. C'est Oui, plus c'est très visuel, c'est très visuel, très visuel, bon, musical. musical. Et pour moi, avec du recul, c'est pas vraiment du cinéma, parce qu'il aurait fallu plus de temps, plus de moyens. Mais il y a oui, une histoire avec où la musique est très importante est très présente. Et l'image, parce que c'est l'histoire de Yash, notre narrateur, mais ça se passe beaucoup plus tard, ça se passe dans le tome 2. Là, vous avez le tome 1 qui est sorti, donc ça se passe après. On a un personnage qui est adulte, et je vous en dis pas plus, mais c'est un autre angle. Et c'est un personnage qui, lui, était peintre et qui est un créatif, un créateur, donc oui, c'est très visuel, C'est très visuel. Après, pour volontairement. 3 jours, on en est quand même Oui, content, on hein, est parce très content que bon, voilà, de. c'est notre premier film. Ouais. Mais voilà. Mais ça nous a appris Est quand même. sur, il est ce qu'il est sur l'Instagram Alors, il n'est pas sur de l'Instagram, l'entreprise. il est sur notre site. Et sur le site, en fait, on a un onglet qui s'appelle Sur la page d'accueil, sur en la page fait, d'accueil du ouais. site, Sur disons. lesenfantsdurequin.fr, si on scrolle un peu, y a le film. Je le mets volontairement pas très en avant, parce Il que est pas voilà, c'est le dedans. moment du livre maintenant, Ah, et je ne veux pas ok. embrouiller les pistes. Bien sûr. Mais il est là pour les curieux. Oui, Et il c'est. y a un making-of aussi qui est intéressant aussi, qui est beaucoup plus long que le film d'ailleurs. Parce que ça nous a pris 3 ans pour le Oui, c'est tourner. intéressant de voir le making-of. Et ça Ouais. nous a donné la réalité de tout ça. Parce que entre l'envie et puis est-ce qu'on veut vraiment le faire? Et oui, si un jour il y avait des moyens et plein de choses qui s'alignent pour qu'on se dise on y va en totale confiance, peut-être qu'on le fera. Faut jamais dire jamais. Mais on s'est libéré de ce besoin de but, que ça finisse sur un écran et ainsi de Tout suite. à fait. Voilà, faut être libre de ça, sinon on est Complètement. malheureux et c'est Et c'est en pas. étant libre de ça Ouais. que ça peut se présenter. Oui, voilà. Et Bah, c'est un comme coup de cassette une sur la femme qui radio veut aussi. absolument être enceinte qui n'arrive pas, Voilà, et au exactement. moment où elle lâche prise, ça arrive. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'autoproduction, donc ce livre, on l'a auto-édité. Parce qu'on voulait que ça rencontre très vite son public, on avait vraiment envie de le sortir. Ça fait quand même une C'est gestation très de doux, 20 ans c'est très beau. pour le livre. C'est très très Merci. doux, c'est. Ah. Et du coup, voilà, on cherche quand même un éditeur, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir faire tout nous-mêmes. Donc on est à la recherche quand même d'un éditeur pour ces livres-là. Ouais. Oui, l'idée Mais c'est quelqu'un qui vraiment qui colle, enfin qui nous ressemble en fait, qui est Bien vraiment sûr. touché. Voilà, un éditeur qui soit vraiment touché par ce qu'on fait et qui soit vraiment dans cette ligne-là. Oui, par ses problématiques et Voilà, par ses ce... problématiques Voilà, et qui soit c'est pas un vraiment. produit, c'est pas Voilà. tout devient un produit de nos jours. Ouais, c'est ça. Et les éditeurs, je les comprends, hein. Il faut qu'ils vendent des livres et il faut que ça marche et ainsi de suite. Ben, on s'est aussi libéré de ça en se disant on va être libre à 100%. On n'aime pas ensuite ce qu'on est sorti, mais on aura eu cette liberté et on l'aura donné au public dans un premier temps. Ce moment, on est très 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 heureux et je tiens à remercier s'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous suivent. Je suis super heureux qu'on Merci ait pu pour le votre lire parce que. soutien, pour votre confiance, pour tout l'amour que vous nous apportez chaque jour, hein, Ouais, parce ouais. qu'on a vraiment beaucoup de On en avait bienveillance, des besoin, bien sûr. messages, et c'est vrai que ça nous encourage, parce que vraiment, on est passé par des étapes super difficiles. Ces dernières années étaient très dures, et enfin, par rapport au projet, pour faire sortir tout ça, enfin, Stéphane, il a pris du temps à Bien sûr. terminer un livre dont il est content. C'est quand même quelque chose
Voilà, c'est un premier livre, donc c'est. Voilà. Mais c'est le plus dur, le premier. C'est très C'est un dur. accouchement qui est vraiment. Non, puis il faut dire aussi que vous avez deux petits, en Oui, on plus. a deux Vous enfants, travaillez tous les deux, c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de. ouais, c'est ça. On n'a pas beaucoup de temps pour l'écriture. Enfin, là, c'est vraiment des Je petits. pioche ce que je peux prendre, et puis des fois je C'est. m'arrête entre deux missions Et puis, on de a travail, notre mais travail en même temps, bien donc c'est sûr, épuisant, quoi. bien C'est sûr. épuisant. Ouais. Mais là, justement, on a été nourri de tous ces échanges. On avait deux choix en le finissant, c'était aller chercher des éditeurs, donc leur écrire et attendre peut-être un an ou deux que quelqu'un, que ça parle à quelqu'un, et essuyer plein de refus, évidemment, ou des acceptations, mais qui ne collent pas vraiment. Bref, tout est possible. Mais il y avait un an ou deux à la clé de il se passe pas grand-chose. Ou alors y aller, et nous-mêmes, avec nos petits moyens, et rencontrer des gens. Et c'est ce qui s'est passé, et on regrette absolument pas, parce que quelle que soit la vie de ce livre ensuite, il l'a déjà vécu un peu. Et même vraiment en direct, en fait, en direct avec des gens qui nous parlent, qui réagissent, qui nous encouragent. Et il y a 4 mois, on a ouvert ce compte, il n'y avait personne. Et ça grossit, et dans le bon sens, parce que ça grossit humainement, avec des gens avec qui on échange, qui nous encouragent, qui sont touchés. Et on C'est verra au chouette. gré des rencontres et Oui. le hasard, parce que la loi des hasards est très Ouais, le présente dans hasard ce est livre. important. Mais Et très du coup, nous, on important. fait confiance au hasard aussi, Ouais. voilà. Et on Bien sûr. suit un petit peu notre intuition Oui, et on oui. n'a pas réfléchi très longtemps. On s'est dit, on va le sortir, nous. Et puis, on verra. Voilà. On va lui donner la chance de vivre, de rencontrer son public. Et puis, voilà, au fil, on verra Oui, ça, si on en a. c'est vraiment important. C'est aussi quelque chose sur lequel je mets l'accent dans mes vidéos, c'est de faire confiance à ces désirs qu'on a à l'intérieur, même si ça semble fou, même si ça va s'aligner. Si on a ce désir, c'est que quelque part, ça doit venir par nous de cette façon-là. Il faut laisser Exactement. faire et il faut mettre ce qu'on peut pour que ça se fasse. Et puis après, ben voilà. Mais là, c'est là. On ne peut pas faire un livre s'il n'y a pas d'écriture, un film s'il n'y a pas d'écriture avant. Donc là, tu as vraiment accompli quelque chose d'énorme. Tu as laissé tomber le truc du film parce que c'est quand même lourd. Ça fait un stress quand on se dit, oh, Ça met un gros on poids, fait hein, de comme ça. le... Voilà. Donc là, pouf. On Et prend puis des fois maintenant, dans les tomes et puis après on verra. voilà. Et après, ben, ça suivra son. Ça vivra comme ça vivra, quoi. Exactement. Parce Ouais. que. Je trouve que c'est super de sortir un livre à notre époque où on est tous avec des écrans et tout ça, et d'avoir un livre en papier en plus qui est aussi doux, agréable. C'est agréable quand tu le touches d'être avec quelque chose comme ça. Il est flexible, donc c'est aussi agréable, facile à lire. Un bon format. La couverture est magnifique. Ça nous rallie à l'eau avec ce bleu et au ciel. C'est vraiment beau. Et voilà, donc je pensais aussi à la traduction en anglais, parce qu'évidemment, là, on fait l'émission en français, mais je sais, je vais avoir, ah oui, mais ça parle de quoi? Comment on peut. Voilà, c'est difficile. Est-ce que vous parlez anglais tous les deux? Pas du tout. Oui, Pas du je le parle. Et puis dans mon travail, je suis amené à le parler souvent. Mais entre traduire. Je ne peux pas écrire en anglais. Voilà, je ne peux pas suffisamment. Je pense que c'est. Il y a quelques écrivains qui ont réussi à faire ça, mais qui avaient vécu vraiment dans les pays dont ils Peut-être qu'elle empruntaient te le la langue. proposait de résumer en anglais dans Ah, le vous voulez livre. que j'en parle en anglais? C'est ça? Oui, là, oui, mais Ah, ça m'intéresse aussi ce que tu si des dis, parce gens. qu'il y a besoin d'un traducteur, Oui. éventuellement, Ouais. qui comprenne le sens qui. Je t'ai dit, j'en ai parlé à mon amie Sophie, donc elle serait ravie de pouvoir rentrer en contact avec vous et lire le livre pour voir si la rythmique, si tu veux, tu vois, si. Elle capte comment le traduire. Ben, je pense qu'il n'y a pas de souci parce qu'elle est aussi très, très branchée sur ce qui est rythmique au niveau des mots, au niveau, tu vois. Donc, comme elle est française, elle peut percevoir aussi peut-être plus facilement qu'un anglo-saxon qui parle ou qui traduit français. Ça peut être intéressant. Mais bien sûr, moi, je pensais aussi de refaire cette présentation. La faire tous les deux, si toi, Régine, tu parles pas anglais, mais qu'on le fasse tous les trois, mais qu'on puisse le faire en anglais pour mon auditoire, si tu veux, qui parle anglais. Parce que ça peut être intéressant qu'ils sachent, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent anglais, mais qui aussi comprennent le français, ou lisent le français, ou des enfants qui apprennent le français.
Donc, si tu veux, bon, là, je voulais vraiment qu'on le fasse en français parce que c'est quand même français, hein. Mais l'auditoire est plus important en anglo-saxon, en fait, avec des pays anglo-saxons que des Français. Donc, ça serait intéressant aussi de pouvoir refaire. Peut-être quand j'ai lu un peu du livre, j'aurai un peu plus de choses à D'accord, partager. ouais. Et sans découvrir le livre, parce qu'il faut quand même garder le mystère. Mais ça pourrait être intéressant de refaire une présentation dans quelques temps en anglais, parce qu'ils vont me demander, alors ça veut dire quoi, vous parlez de quoi? Et tout. Après, je ne peux pas passer mon temps à répondre à tous les messages et expliquer en anglais de quoi on a parlé. Donc, ça pourrait être chouette de pouvoir faire ça. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que notre entretien va être sur YouTube aussi, et je mettrai le lien avec votre site. Et bon, là, ils peuvent voir les enfants du requin. Moi, je voulais savoir pourquoi ça s'appelle les enfants du requin. Pourquoi le requin? Alors, plusieurs réponses. Je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus. Alors, d'une part, dans ce livre, c'est un monde qui a vécu pas mal de siècles déjà et qui a perdu la mémoire. Et dans ce qu'ils ont perdu, il y avait un chasseur qui s'appelait le requin, un personnage un peu légendaire, mais qui a été effacé de toutes les fresques, qui a été effacé de partout. Et qui, on ne sait pas s'il a sauvé le monde ou s'il l'a réduit en cendres, en fait. C'est un peu ce qui résonne chez les conteurs. Donc ce requin existe vraiment en tant que personnage dans les contes et les légendes. Et il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que dans ce monde-là, un truc dont je n'ai pas parlé, c'est que la particularité de ce monde, c'est qu'il y a des endroits qui sont des républiques d'enfants. Si on peut appeler ça comme ça, des endroits délimités où seuls les enfants vivent en communauté. Les enfants ont leurs parents et tout ça, mais il y a des fugueurs, des enfants qui s'échappent ou qui décident Des d'aller orphelins. vivre, ou des orphelins qui décident d'aller vivre dans ces espaces où aucun adulte n'a le droit de rentrer. Et on dit que c'est ce fameux requin qui avait fondé ça il y a très longtemps. Donc est-ce que ce personnage est mauvais ou bon? On ne le sait pas. Mais en tout cas, ces orphelins-là, ces gamins qui vivent en parfaite autonomie, ils peuvent être surnommés aussi comme ça, en fait, les enfants du requin, par extension. Et il y a d'autres niveaux de lecture, mais je ne peux pas en parler, sinon ça révèle Bien sûr. certaines choses qui arrivent en fin de livre et un peu plus tard. Et ça peut être aussi tous les enfants de ce monde-là, en fait, parce que ce personnage a tellement marqué son époque. Même s'ils en gardent plus grand-chose, qu'ils ont hérité de ce qui s'est passé à l'époque de ce personnage-là. Et si on sort complètement du livre, je le ressens aussi un peu pour nous. Nous, on hérite d'un monde qui a été dévoré par notre folie, en fait. Et il y a un peu cette métaphore-là derrière. Donc, elle n'est pas négative, hein, mais c'est ce qu'il y a dans la nature humaine de la fois très beau et très compliqué. Et le requin me fascine en tant qu'animal. Il a un côté effrayant, mais je le trouve extrêmement beau. Et j'allais ramasser des dents de requin avec mon grand-père dans le désert, dans le sud de la France. Il y a des petits déserts. Et on trouve des fossiles de dents de requin là-bas et on allait souvent ramasser ça. Et je crois que c'est ce qui inconsciemment m'a lié à cet animal qui est fascinant, qui est là depuis le temps des dinosaures et qui est toujours Et là. ça, Et c'est qui. un lien avec Sophie, parce qu'elle aussi, les requins, ça a été des peluches en requin, les requins, etc. Et son fils Adam va chercher des dents de requin avec son père. Ah ben Ouais. voilà. Le Donc, hasard. peut-être qu'il y a Ouais. quelque chose, un lien qui va se faire pour éventuellement la traduction de ce livre. C'est quand même un gros pavé, donc il faut voir si elle peut, si elle a le Oui, temps, il comment ça faut, voilà. va. Je vous mettrai en contact et puis vous verrez ça Avec ensemble. plaisir. Merci. Et donc déjà un premier pas de le faire en anglais, ça serait déjà bien. Et puis qui Oui. sait, peut-être qu'après il y aura d'autres traductions. C'est possible, on verra, la vie nous dira ce qui se passe naturellement ou Ouais, quoi. c'est assez étonnant pour moi parce qu'en fait, comme je vous le disais hier quand on s'est vu pour la première fois. En quelques jours, beaucoup de choses se sont passées par
C'est pour ça la technologie qu'on a, c'est merveilleux. On peut être en contact les uns avec les autres comme ça autour du monde. Et moi, c'est pour ça que ça m'émeut beaucoup des partages que mes followers, mes abonnés m'envoient, quoi. Parce qu'il y a vraiment des choses super. Et le jour, là, les jours où j'ai Sabine à partager, donc votre travail, au même moment, j'ai une autre de mes abonnées qui m'a partagé un lien avec un homme, instituteur, qui s'occupe d'un orphelinat. Et c'était au même moment. Et je me dis, waouh! Et je me suis dit, comment est-ce que. Parce que moi, j'aide un orphelinat, mais je ne vais pas démunir l'orphelinat que je soutiens, qui a des difficultés même en les aidant, pour pouvoir aider un autre. Donc, il faut trouver des solutions pour faire rentrer de l'argent pour cet autre orphelinat. Donc, maintenant, je suis en train, ça aussi, ce matin, ça a travaillé. Donc, j'ai eu quelques idées. Je ferai part de ça dans un live individuel, personnel. Mais je pense que tout ça, ça tourne autour. Et vous, ça parle des enfants. Et là, je suis contactée au même moment par un autre orphelinat avec ses enfants magnifiques d'Ouganda. Et je me dis, oh, mais probablement que tout ça va ensemble. Il faut qu'on trouve quelque chose. Et c'est pour ça que je vous disais, éventuellement, plus tard, quand vous êtes plus lancée et que tout se passe bien, peut-être faire une collaboration où il y a quelque chose pour l'orphelinat d'Ouganda, là, pas pour l'orphelinat du Népal. Donc, comment est-ce qu'éventuellement ça pourrait s'articuler? On peut y réfléchir et peut-être en parler un peu plus quand on fait notre autre live en anglais. Ça aura mûri et puis voir comment on peut aider pour redonner, même si on donne beaucoup de nous. Moi, je suis toute seule aussi dans mon petit business, tu vois, c'est pas. Je fais tout moi-même, modeling, vente, envoi, dealer avec les fabricants, ce qui n'est pas facile, prendre des risques parce que faut savoir que c'est pas possible de passer des commandes sans payer en avance 100% et qu'il est impossible de retourner si ça ne va pas. Donc il y a quand même pas mal de choses qui. Mais c'est pas. J'ai même pas peur de ça, je veux dire, je me prends même pas, ça me préoccupe pas du tout, du tout, parce que je sens que ça pousse à le faire, mais et que je peux tout faire moi-même. Je peux être le modèle de mes châles, je suis pas obligée de payer un modèle, c'est disponible, c'est là, et c'est, je rends grâce de ça parce que. Mon parcours, en fait, m'a permis d'arriver là sans et à pouvoir redonner à une communauté, que ce soit les artisans à qui je donne du travail, mais aussi à l'orphelinat. Et pour moi, c'est ça, c'est merveilleux, parce que tout ce que j'ai acquis dans mes expériences de vie, je peux le mettre là et aider d'autres, passer à d'autres. Et ça, c'est ça qui est. Comment, au-delà de nous, ça, c'est une œuvre merveilleuse. Après, comment est-ce qu'on peut en fait étendre encore plus à un autre niveau, quoi. C'est ça. Moi, c'est ça qui me touche dans les créations que l'on fait en tant qu'être humain. Au-delà, évidemment, il faut qu'on vive, hein, et qu'on ait de l'argent pour pouvoir continuer, bien sûr. C'est important. L'argent, c'est le sang du monde, hein, c'est le liquide. Hein, mais comment est-ce qu'après, au-delà de nous, on peut vraiment diffuser encore plus à ce niveau-là, quoi. Donc C'est important. même si c'est minime, je veux dire, c'est pas une question, c'est juste dans le sens, dans le symbole de l'échange, du partage. C'est ça qui est important, je trouve. C'est ce flot qui continue, c'est cette énergie dont je parlais tout à l'heure qu'on ne bloque pas à garder tout dans un compte en banque bien bloqué là, voilà, avec des supposés des intérêts qui vont tomber. Voilà. Mais il peut y avoir d'autres intérêts. Les intérêts, c'est le partage. Et c'est comment ces partages, comme je disais, tu vois, on partage comme ça. Qui sait qui est-ce qui regarde? Et qui savait, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à faire les lives, donc être plus impliquée dans les châles, alors que je voulais arrêter à ce moment-là, avec le confinement,
cheminement, tout s'est débloqué. Qui savait qu'une personne allait regarder et me dire « mais moi, je peux aider l'orphelinat d'une façon vraiment conséquente ». On ne sait jamais qui est-ce qui regarde. Et il y a eu l'aide, il y a eu quand même un don de 100 000 dollars. Donc, tout ça en étant, en donnant du temps, par exemple, en partageant, en étant présent. Par les moyens qu'on a créés, hein. On a créé en tant qu'être humain, au niveau de l'inconscient collectif, on a créé ces moyens qui nous permettent de communiquer. Donc, il faut faire confiance à ça et pas avoir peur de lancer à l'univers les choses les plus folles, les idées les plus folles que l'on a, parce qu'on ne sait jamais qui ça peut toucher. Je me souviens de Jean Loussieff, peut-être que tu sais qui était, vous savez qui était Jean Loussieff, c'était un photographe qui était très populaire, très connu. Et Jean Loussieff, un jour j'ai eu l'audace de lui montrer mon portefeuille, mon portfolio de photographe à mes tout débuts. Et moi, je n'ai pas fait d'école de photographie. Et il a regardé, mais très longuement, par deux fois. Et j'ai dit, j'ai pas de technique, j'ai pas, je me sentais un peu devant ce maître de la photographie, quoi. Il me dit, mais c'est pas un problème. Il me dit, parce que quelque part dans ce monde, il y a si tu as, toi, tu as créé ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Okay. Et fais confiance à ça. Et en fait, c'est ça. Nous trois, et tous ceux qui nous regardent, quand on veut créer quelque chose, il faut pas s'empêcher de le faire, il faut pas penser qu'on n'est pas capable de, il faut pas penser qu'on, off, moi mon petit truc c'est pas important, non, il faut y aller, parce que quelque part, surtout avec les moyens qu'on a maintenant, ça peut toucher quelqu'un au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oui, on a beaucoup de chance là, pour ça. Voilà, ouais. Et ça c'est merveilleux, quoi. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites choses, ouais, si ça parle à une personne, on peut changer plein de choses. Enfin, on peut apporter. Bien sûr. C'est un mystère total. Une autre façon de voir, une autre façon. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, ben oui. Ah, ouais, c'est merveilleux. Tu vois, qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Tu vois, juste parce que tu as osé dire quelque chose qui peut peut-être des fois choquer certains ou qui a pu quitter toi, qui est ta vérité, qui est important pour toi. Tu oses le mettre en avant sans, je dirais en toute humilité et sans, c'est pas une question d'ego, c'est, ah, ça te fait du bien de pouvoir le partager, quoi. Et tu sais pas ce qui va sortir de ça, quoi. Exactement. Et sans attendre, hein, c'est pas le faire en disant, oui, moi, je vais influencer. Non, pas du tout. Ce mot d'influenceur me dérange quand même un peu, quoi. Parce que on est tous impactant pour les autres, dans notre façon d'être, d'être vrai, je dirais. C'est ça qui est sans filtre, sans phare, sans d'être avec notre vérité. Et puis, ça va toucher certains, ça va déranger d'autres, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Voilà. Très joli, mon Dieu. Oui, quand je parle beaucoup, c'est... Voilà. En tout cas, merci encore, parce que je ne m'attendais pas à les recevoir aussi vite. Avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est vrai que je pensais que c'était vraiment le bon moment, avec les fêtes de Noël qui arrivent, pour offrir ça, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et ça touche beaucoup. Et c'est, on n'a plus de compteurs. Avant, il y avait les compteurs dans les familles. Moi, j'ai eu ça quand j'étais petite. Hein. Il y avait ça au coin du feu de la cheminée, encore sans électricité. Il y avait les compteurs. Les histoires et tout, les histoires qui faisaient peur ou qu'on trouvait merveilleuses et tout ça. J'ai connu ça. Et on n'a plus ça. Et je pense que le livre, c'est ce qui permet ça, de renouer avec ça. C'est pour ça que je voulais faire vite, parce que on est à temps pour les cadeaux de Noël. Allez-y. C'est adorable. Merci infiniment. Merci. Voilà. Donc c'est ça. Qu'il y en ait beaucoup qui est très touché. Ouais, on est très touché par ça, par le fait que tu sois venu comme ça. Merci à Sabine. Hein. Merci. Sabine, hein, si tu nous écoutes. Ouais.
Voilà, ben, on va clore. Et puis, si vous avez un mot que vous voulez dire pour clore un peu cette petite entrevue, et puis on voit pour en faire une autre en anglais dans les semaines qui viennent. Ça marche, mais avec plaisir. Bah, je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui nous écouteront après aussi. Les gens curieux, la curiosité, je pense, c'est un truc Ouais. qu'on a tous en nous. Et puis, des fois, on l'écrase un petit peu, on l'étouffe. Je remercie toute la curiosité des gens qui nous écoutent parce qu'on sort de nulle part et il n'y a pas de raison de nous écouter. Il y a plein d'autres choses super à écouter. Donc, je suis hyper reconnaissant et je pense qu'il faut être reconnaissant. Et puis. Ouais. C'est notre tout premier live, donc Ouais, merci c'est le premier. Yasmina. C'est vrai, je suis très émue, hein. C'est vraiment tout nouveau pour nous, donc ouais, ça fait du bien d'enfin partager, voilà, Oui, partager partagez, notre ouais. Carrément. histoire, voilà, c'est fabuleux, c'est magique pour nous. Ouais. Bien Et sûr. si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on échangera et Oui. qu'on y répondra, parce que c'est le but de ce projet maintenant. Non, puis c'est super, Ouais. toi, de vous voir, puis d'être si beau et de voir des si beaux bébés. J'ai pas vu vos enfants, mais j'imagine qu'ils doivent être C'est tout gentil. petits. Et puis cette sensation, comme j'ai posté sur ma page hier une toute petite vidéo avec mon amie voisine qui pourrait être ma fille, ma sœur. We are family, tu vois, on est la famille, et c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça que ça me touche beaucoup dans la période dans laquelle on est. On a créé l'outil, mais parfait pour ça. Et mon ami astrologue, qui est décédé depuis quelques années, m'avait dit, c'était un ingénieur, un scientifique, et il est devenu à l'astrologie plus tard et l'homéopathie. Il m'avait dit, une nouvelle technologie va révolutionner ta vie. Mais il y a 35 ans de ça. Ah oui, ouais. Je disais, mais qu'est-ce que Ouais. c'est? Et puis voilà, on y est, quoi. On est là, Ouais. C'est Il grâce faut à se ça qu'on a servir de cet le outil, il faut tout. qu'on s'en serve pour partager de Ah plus en oui. plus. Ah Et oui, c'est non. vraiment grâce à ça qu'on a pu Positivement, mettre c'est à jour génial. Ouais. notre projet, hein. C'est Tout à vraiment, fait. c'est précieux, hein. Oui, c'est. Ah oui, ça a une force énorme. Donc, il faut l'utiliser positivement. Bien Et sûr. c'est génial parce qu'on découvre qu'il y a plein de gens qui l'utilisent de manière hyper positive. Moi, j'y étais peu. J'y étais, hein, mais. J'avais un a priori plutôt Oui. prudent parce que je voyais beaucoup de choses négatives et ouais. Il y avait ce côté-là qui était très fort. Et là, en faisant ce projet et en l'exposant, j'étais très surpris par la bienveillance des gens et cet autre aspect que j'avais pas vu en me promenant comme Les ça. En bonnes fait, ondes et la force que ça ouais. peut te Bien communiquer. sûr. Énorme C'est surprise en incroyable. fait. Bien Énorme sûr. surprise. Voilà, c'est Ouais. une envie d'avancer et ça te donne de l'énergie en fait. Tout Les à gens fait. transmettent de l'énergie Ouais. et c'est Et vrai que tout ça à nous fait. éclaire. Et c'est pas et ça Ouais. circule, c'est-à-dire que ça va aussi dynamiser d'autres personnes. Exactement. C'est ce qui se Ouais. passe. Moi, je le vois, le nombre de mes abonnés qui me disent merci, le fait que tu as posté ça et que ton live, ça m'a fait ça en moi. J'ai commencé ça, j'ai changé ça. En fait, c'est ça dynamise le tout. En fait, moi, j'avais des a priori par rapport aux réseaux sociaux il y a longtemps, au début de Facebook. C'est ma fille qui m'a dit, mais maman, c'est ma fille qui m'avait dit, mais tu devrais ouvrir ça, tu devrais faire ça. Moi, je ne voyais pas l'intérêt. Elle me disait, mais et puis après, il y a eu Instagram. Elle me dit, mais maman, il faut absolument que tu le fasses, il faut absolument que tu. Et elle m'a ouvert mon compte et moi, je n'étais pas dessus, quoi. C'était pas mon truc. Et puis un jour, je me suis dit, mais après tout. Parce que si tu veux, venant du modeling, moi, je n'avais pas envie de poster mes trucs de modèle. Et je ne voyais pas que je pouvais poster des choses de moi, mais Oui, de oui, oui. moi. Tu vois? Et puis après, un jour, je me suis dit, oh, mais oui, mais je peux poster ce que je suis en train de cuisiner, je peux poster les objets que je vois que j'aime, les paysages que j'aime, les photos que j'aime. Et là, ça a commencé, tu vois? Et puis après, bon, ben, il y a eu des clics en 2014, il y a eu plein de choses qui se sont passées, parce que je postais des choses de moi, pas de modèle, mais des choses tu vois, mes autoportraits en maillot sur la plage, des trucs, tu sais, les gens, ils aiment bien quand c'est maillot ou qu'on voit de la peau. Et là, je savais pas, il y a un genre de magazine en ligne qui s'appelle Bored Panda, qui a pris mes photos et qui a fait un article et qui a fait le tour du monde sur les réseaux. Et là,
un matin, je reviens de la plage à Malibu et je vois mon Instagram et je ne comprends pas. J'avais 1000 followers, j'en suis à 10 000. Et ça tournait comme la machine à sous, tu vois. Et c'est monté, monté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Et en fait, une de mes abonnées m'a envoyé l'article, me dit, mais regarde, c'est super. Et je découvre ça. Et ça, c'était le jour où j'ai eu mes papiers d'identité avec mon nouveau prénom. Ah oui, ah, c'est marrant. Ça. Exactement. C'était le 15 septembre 2015. C'est là où j'ai eu mes nouveaux papiers français, parce que ça a pris un an en France, ça a pris un mois aux États-Unis pour avoir aligné avec mon nouveau prénom que j'ai créé. Et en fait, c'est ce jour-là où en fait, ça a été reconnu, mais mon ami me disait, t'as une dimension planétaire, et je ne comprenais pas, mon ami astrologue, je ne comprenais pas. Et en fait, c'est là où j'ai compris. J'ai dit, ah mais oui, Jean-Paul, la dimension planétaire, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je commence, mais ça a pris du temps. Il a fallu le confinement pour que je commence à parler, tu vois, à faire des lives, ce que je ne comprenais pas avant. voilà. Et en fait, plutôt qu'un livre, je pense que c'est plus par la parole pour moi. Ouais, mais c'est génial la parole. Ouais, c'est parce que la vibration elle passe, ouais. Et la conscience, ton état intérieur passe par la parole. Et je suis arrivée à un moment dans ma vie où je suis en paix, mais vraiment sereine. Et j'ai pu expérimenter dernièrement, il y a pas grand-chose qui peut ébranler ça. Vraiment. Et c'est une sensation hyper agréable et je pense que c'est avec l'âge qu'on peut acquérir ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas anti-aging. Et y a une beauté, quelque chose qui s'installe avec l'âge qui est merveilleux, quoi. Et ça, c'est béni. Voilà, j'ai encore parlé beaucoup. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci, je vous embrasse tous les deux et les petits que je n'ai pas encore vus. Ouais, on va aller les voir. Et merci encore. Et puis, on se recontacte très prochainement, je pense, pour Régis, pour que tu parles un peu anglais. Et ravie aussi de te revoir, Régine, hein, parce que j'espère que tu seras là avec nous. Et puis voilà. Ok. Avec plaisir. Merci. Bon week-end. Bon week-end, très bon week-end. Prenez soin de vous tous. Ouais, prenez soin de vous. À bientôt. Donc là, à bientôt. Au revoir. Vous pouvez quitter, puis moi je vais clore, et puis voilà. D'accord. Alors, comment on fait? Tic. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que je ne sais pas si je vais arrêter. Donc, voilà, on va refaire cette présentation en anglais dans quelques temps avec Stéphane qui nous parlera anglais. Et puis, voilà, parce que je sais que I know that the English-speaking people are going to be frustrated about this life, but we're going to do it in English very soon with Stéphane, speak English. Okay, so I wish you a very good weekend to all of you, and you can check it out, Les Enfants du Requin, sur la route des Enfants du Requin. Je vais poster tout ça dans la présentation. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon week-end.